matin tout le monde! Donc ce matin, on est mercredi, il est 7h15 le matin à peu près, puis je suis toute prête parce que je m'en vais travailler comme vous le savez. Je commence ma nouvelle job au Formaprix. Puis c'est ça, je dois être là pour 8h, donc là il faut un peu que je me dépêche parce que il y a eu comme la pluie verglaçante cette nuit. Puis il y a comme neigé hier soir, fait que là c'est comme un mélange, en tout cas c'est un petit peu glacé sur les routes là. Fait que je vais partir un petit peu d'avance au cas où. Puis voilà comment je suis habillée. Fait que je me suis juste mis un chandail noir comme ça du Dynamite que je me suis acheté hier avec comme les épaulettes comme ça si on veut. J'ai mis des leggings qui sont un peu plus chic là avec une espèce de ligne en avant. Puis mes bottes noires que j'ai depuis super longtemps. Puis j'ai mis un foulard, mais là j'aurais me demandé si j'aurais froid parce que genre je sais que la chef était comme vous avez le droit de mettre comme une veste ou tu sais un foulard, quelque chose comme ça, parce que c'est dans l'entrée du magasin, comme toujours, les cosmétiques, là. Fait qu'il fait tout le temps froid. Fait que là, je vais manger si j'amène une veste. Puis si j'amène une veste, j'en ai genre un petit veston noir. Ouais, je pense que je vais l'apporter au cas où. Là, il est rendu 1h20 de l'après-midi. Donc, c'est ça, ce matin, j'ai travaillé. Puis, c'était ma première journée formatrice. Puis pour vrai, c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ma chef cosméticienne, elle est super gentille aussi. Pour vrai, elle est tellement belle, là, genre, elle a 50 ans, ok? Mais elle a une peau de comme une fille de 30 ans, là. C'est incroyable, elle est super belle, super gentille. Puis j'ai rencontré une autre cosméticienne parce que eux, où est-ce qu'ils travaillent, sont genre 9 cosméticiennes. Puis moi, où est-ce que j'étais avant, on était genre 5 ou 6. 5-6, ok, ça fait comme beaucoup de monde, fait qu'en tout cas, j'ai rencontré une des filles, elle s'appelle Dara, puis c'est sûr que où est-ce que je suis maintenant, c'est encore plus anglophone, comme de où est-ce que j'étais avant, c'est anglophone aussi, mais là, c'est encore plus, mais moi, j'aime quand même ça, là, parce que ça me fait pratiquer l'anglais en plus, là, fait que, puis si je me débrouille quand même super bien, donc c'est ça, je suis vraiment contente, j'ai hâte de retravailler demain. Je pense que ça va vraiment être plaisant. Puis j'ai vraiment hâte en fin de semaine parce que, tu sais, la fin de semaine, c'est là que c'est le plus occupé parce que souvent, on a comme des promotions avec les points optimum puis des trucs comme ça. Puis en fin de semaine, on en a une, là. Fait que, genre, ça va vraiment être full occupé puis j'ai vraiment hâte. Donc, c'est pas mal ça. Là, j'ai pas fini mon lunch, mais j'avais été au Dagwood me chercher, genre, un sandwich, là. Genre, un sandwich Dagwood avec la sauce Dagwood, tout garni. Puis c'est ça, là, j'ai fini de manger puis j'écoutais... là, c'est pas une bière, ok? je ne bois pas de bière en après-midi. C'est genre de la root beer, là. Parce que je prends tout le temps ça au Dagwood, là. Je suis pas quelqu'un qui boit souvent ça, là, mais... En tout cas, je trouve que le Dagwood, c'est full bon. Puis, j'écoutais des vidéos YouTube, parce que, mais ça, on est pas mal... Oups! J'en ai pas mal à regarder. Vous avez vu comment je suis allée. Non, ça, c'est Alex... C'est... Oh, je suis en train de zoomer. C'est Alex Santomo. Puis, ouais, en tout cas, je l'aime full, là, parce qu'elle avait genre proche de chez moi, être anglophone, puis elle est vraiment populaire, là. Fait que, c'est pas mal ça. Gang, ayez pas peur, ok? C'est moi, c'est Jessica. Je me suis fait un masque, ok? Puis là, pour vrai, ok, il est en train de décoller parce qu'il faut que je l'enlève, là. Mais je me suis fait comme un masque parce que, genre, ben à cause de l'événement ce soir, j'aime tout en ça pour faire des masques puis des patchs en dessous des yeux. Puis j'en avais un de Karine Jean-Casse, puis là, pour vrai, j'étais en laide, genre, j'ai l'air de comme... un bonhomme de neige, ok? C'est vraiment drôle. Mais pour vrai, c'est la première fois que j'utilise. Puis il est tellement comme frais. Puis c'est pas comme mouillé en dessous. C'est ça qui est plaisant. C'est comme gélatineux, genre. Fait que tu le mets, puis ça colle bien. C'est tellement froid. Ça fait trop du bien. Puis je vais faire ça pour les yeux aussi. Fait que je voulais vous montrer. Là, il y a du bruit parce que j'écoute le vlog de It's Judy Time. Fait qu'en gros, ceux pour les yeux, c'est ceux-là. Donc, patch correction dermolift des yeux. J'ai de la misère à parler parce que mon masque il va tomber. Mais, puis j'ai fait la même chose, mais c'était celui pour le visage. Fait que, ouais, oh my god, je suis tellement laid, vous voyez tellement mon meilleur, gang. Donc, ouais, fait que là, finalement, je n'irai pas chercher ma mère au travail parce qu'elle va avoir un lit. Je suis bien contente, je vais pouvoir me préparer plus tranquillement. Ellie va être là vers 5h, elle me dit. Donc, je vais... J'ai déjà planifié un peu ce que j'allais mettre, là. Parce que je sais que c'est pas censé être super chic, pis c'est pas censé être super relax non plus. Fait que je pense que je vais juste mettre comme ça des leggings. Ouais, probablement des leggings avec genre
un gros gilet là, parce que ben si vous savez, je pense que t'en sais plus, pour vrai j'ai l'impression que vous me prenez pas au sérieux que je parle avec ça. Fait que je vais aller l'enlever parce que de toute façon ben c'est l'heure que je l'enlève. Oh my god, de qui pour vrai, je touche ma peau genre, puis je comprends pas parce que c'est pas un masque qui est comme justement genre mouillé, mais ma peau est tellement douce, je comprends pas qu'est-ce qui se passe là. En tout cas elle est vraiment douce, puis ouais je me sens, genre ma peau est comme genre bien hydratée puis repulpée. En tout cas, pour vrai, ce masque-là, je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment hot. Ben là, je vais me faire mes patchs pour les yeux. Ça dit qu'il faut les mettre de 15 à 20 minutes. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'à 4 heures, je vais commencer à... Oh mon dieu, je peux parler. À 4 heures, je vais commencer à maquiller. Puis je vais commencer à faire mes yeux. Fait que comme ça, pendant que je maquille mes yeux, ben genre mes patchs en dessous de mes yeux. Puis après ça, je les enlèverai puis je ferai mon teint. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Fait que c'est ça, pis genre je suis vraiment excitée là, ce soir pour vrai, j'ai comme de plus en plus hâte parce que je vais voir plein de gens que, tu sais, comme on se voit pas tellement souvent les youtubeurs, surtout moi, parce que on dirait que tous les youtubeurs habitent plus comme proche de Montréal, pis comme je suis relativement proche à Montréal, tu sais, mais c'est juste que j'ai quand même un petit bout de chemin à faire. Fait moi, si je veux voir quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Fait que, tu sais, quand je les vois, c'est dans des événements. Puis la dernière fois, je les ai toutes vues, c'est au Bikini de toute beauté le, en novembre passé. Fait que ça fait quand même un petit bout. Fait que j'ai vraiment hâte. Là, par exemple, je suis pas trop sûre de c'est qui va avoir là exactement. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est sûr que je vais vlogger. Puis c'est sûr que comme tout le monde va vlogger ce soir, là, mais... C'est ça, donc présentement à l'événement Got et Lynn, là Karine me fait penser vlogger. Hey Karine! Ah, on a la même caméra, non? Je pense que tout le monde essaie de. Là j'ai un gros zoom sur ma face. Ouais. Donc ça c'est la nouvelle collection pour le printemps et l'été. Puis pour de vrai, tous les produits ont l'air tellement intéressants là. Surtout ce savon-là. Savon fleur de pêche et agrumes. Ça sent vraiment trop bon. Puis là, il y a plein d'autres youtubeurs que je vais vous montrer. Qui va vous dire allô? Vous êtes mariés. Vous êtes héros, excusez-moi. Bon, et la vlog. Ben, j'ai vu dans le tour, j'ai pas pensé. Genre. Que là, moi, Valérie et Valérie, pour les filles qui ont été là ce soir, vous allez comprendre. On s'appelle toutes Val ce soir, j'ai rebaptisé tout le monde. Ok, tout ouais. Le monde est des Val. Pis là, on vit une situation un peu. Awkward. Ouais, vraiment malaisante là. Je roule. Oh, maintenant je suis à 2 km/h. Ça s'en vient mettre à zéro. Ouais, pis ça fait un petit bout de temps là qu'on suit ça, pis ils ont peur de réaliser qu'on est en arrière d'eux là. Parce que ça. Ça avance vraiment pas là. C'est vraiment long. Je t'aboute. Ouais. Pis comment t'as trouvé ta soirée? C'était vraiment agréable. Désagréable. Très agréable, oui, non, ouais. C'était le fun de voir les filles, ouais. Puis les produits aussi sont vraiment beaux, la nouvelle collection. C'était une belle, ouais, soirée. Vraiment. Même les charrues sont belles de derrière.